car le roi de France de l'époque est Charles X, est en situation difficile et il cherche une expédition militaire. Des centaines de bateaux sont à Toulon, vont à Alger, et Alger est prise en quelques semaines. Hein. Donc le dé s'en va et la France s'installe en Algérie. Et à partir de 1845-46, un jeune lettré musulman, Abdelkader, qui va devenir celui qui résiste à la colonisation française. Il a combattu l'armée française victorieusement pendant plus de 15 ans. On est dans un système où il n'y a plus une guerre totale, mais il y a des petites guerres larvées partout. Atroce et impitoyable. Au moment où le traité de paix avec Abdelkader est rompu, et où c'est une lutte sans merci entre les soldats d'Abdelkader et les troupes de Bugeaud pour la France. Les troupes françaises, vous ne connaissez pas le terrain, ils ont pratiqué des razzias, des enfumades sur des populations civiles. Nous sommes dans le centre des montagnes, entre Miliana et Cherchel. Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. L'ennemi fuit partout en emmenant ses troupeaux. Le pays des Beni Menasser est superbe et l'un des plus riches que j'ai vu en Afrique. Les villages et les habitants sont très rapprochés. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Les musulmans sont stupéfaits de la barbarie de l'armée française. L'émir Abdelkader, lui, fait assez tôt, vers 1840, un traité de protection des prisonniers. Il fait un règlement militaire pour protéger les prisonniers. Les Français, eux, ils coupent les oreilles, soyons clairs. Il est vrai que nous rapportons un plat baril d'oreilles récolté paire à paire sur les prisonniers amis ou ennemis. Des cruautés inouïes, des exécutions froidement ordonnées, froidement exécutées à coups de fusil, à coups de sabre, sur des malheureux dont le plus grand crime était quelquefois de nous avoir indiqué des silos vides. Abdelkader n'arrive pas à maintenir l'unité. Et il est fait prisonnier en 1947. La conquête de l'Algérie n'est pas une promenade, une balade avec la fleur au chapeau. Il faut rappeler que la conquête commence donc le 5 juillet 30, la prise d'Alger, et elle s'achève en gros vers 48-50-51, et il y a encore des révoltes confrériques jusqu'en 70, et le Sahara, lui, n'est conquis qu'en 1905. Donc on peut dire qu'il faut presque un siècle à la France pour s'installer.